Salut à tous, une journée de plus au paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Dooji Y8, un gros smartphone entrée de gamme qui, je pense, en donne suffisamment pour son argent. Mais tout ça, on verra ça pendant la review. Je l'ai trouvé bien, ça fait 3 semaines que je le teste. J'en ai mis plein les dents, j'ai fait du gaming. T'attends pas à des scores de 845 avec ça. Non, faut pas déconner. J'ai joué à des petits jeux, quoi, style Boom Beach, comme d'habitude, Clash Royale, des petits jeux comme ça, ça le fait largement. Surtout que l'écran est un peu en dessous. Donc, non, je trouve que l'idée est bien, en fait. Mais faudra faire des concessions, et ça, c'est un peu le problème de ces petits téléphones-là. Donc, on va aborder d'abord le design, et après, on va parler du reste. Alors, le design, c'est facile. On retrouve une prise de jack sur le haut, 3.5. Elle y est, hein. C'est bien. Le son est dégueulasse. Sincèrement, il y a du son, il y a une prise de jack, mais le son, il va avec le prix, quoi. C'est... ça donne envie d'acheter un DAC ou de faire autre chose. de faire du tricot, mais ta musique, t'as pas envie de l'écouter avec ça. Voilà, ça je vous l'ai dit, mais je préfère être franc toujours avec vous. Donc on retrouve un bouton volume plus, volume moins, un bouton on-off, donc ça c'est pareil, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Un tiroir SIM sur le côté gauche, sur le dessous on retrouve une sortie HP et l'entrée son. La sortie HP, on verra ça pendant la session musique, ouais c'est pareil, ça va avec son prix. Alors je dis ça et en même temps je repense au Redmi Go qui est à 50€ et je me dis, je vais vous le présenter aussi. Il est vraiment bien, sauf que là tu as des trucs en plus que le Redmi Go a pas. C'est compliqué. Donc ce sera à vous de peser le pour ou le contre. C'est toujours pareil, mais moi je l'ai trouvé sympa. En oubliant 2-3 trucs. Il y a même des trucs en plus qu'il y aurait dû y avoir sur le Dooji S70 qui est quand même à 329€ et qu'il y a sur celui-là, alors que sur celui-là ça sert à rien. La logique, bordel, la logique, eh ben, la logique, on sait pas, c'est comme l'halogène, ben, c'est pareil, qu'est-ce qu'il dit, je sais plus. Donc le poids, on est sur un poids assez sympa quand même, assez volumineux, on est sur du 180 grammes, les dimensions, vous l'aurez vu sur le plan. Dans la boîte, on retrouve quoi? On retrouve un câble USB type B, cheap, le bonne longueur, mais le truc, tu sens qu'il y aura des faux contacts d'ici quelques temps, c'est cheap, vraiment cheap. Donc ça c'est cool, un chargeur que je vous orienterais de ne pas utiliser, de mettre comme moi, de faire un tiroir à merde et de mettre tous les chargeurs Dooji ou tous les chargeurs comme ça dans le tiroir parce que c'est trop dangereux, ne serait-ce que pour le téléphone. Les Dooji, j'ai jamais rencontré de problème avec les chargeurs Ookie, comme je répète à chaque fois, ou Beastwolf, vous savez, avec l'intelligence artificielle, enfin celle qui recharge en fonction de votre batterie. Après, voilà, mais c'est quand même vachement plus sympa que leur truc à la con. Donc là, c'est quand même un chargeur 5V 1A, mais bon, voilà. On retrouve un pin pour ouvrir le tiroir SIM. Et ce sera tout, ma petite dame. Les coloris, alors les coloris, c'est un peu compliqué. On trouve du vert émeraude. C'est pas celui-là, déjà. Vert émeraude. Bon, bah ça change sur un entrée de gamme, c'est joli, mais on sent quand même que c'est cheap, que c'est plastique. Sur les plans, vous le verrez, on sent quand même la cheapitude, surtout que moi, en moins d'une semaine, il avait commencé à rayer, donc je l'avais protégé un peu avec une pochette en tissu. Il avait commencé à rayer, mais c'est vrai qu'avec les traces de doigts, bon, les rayures, tu les vois plus. Tu vois les traces de doigts. Ouais, oui, mais bon, voilà. Tu vois plus les rayures. C'est une technique croate ou serbe, je me rappelle plus. Bon, ça, on verra ça par la suite. Donc, couleur émeraude, et on retrouve le black, on retrouve juste du black, du luminous black. C'est quoi la différence? Il brille. Voilà, c'est tout. Du black brillant, quoi. Comme Daddy. Pareil. Alors, du fantôme purple. Alors ça, c'est celui que j'ai. Je vais essayer de l'essuyer un petit peu, quand même. Parce que vous allez voir qu'au soleil, c'est pas vilain. C'est pas vilain. C'est pas non plus magique, mais c'est pas vilain. Mais sur un grand plan, vous le verrez plus sympathiquement. Oh, c'est beau, ce mot. Plus sympathiquement. Alors, les specs. On va aborder les specs. Les specs... C'est un 6739. C'est un 6739. Sur AnTuTu, j'ai un score de 46 780. C'est un 6739, quoi. Donc, bon, bah, ça marche, il n'y a pas de souci. J'ai marqué gaming. Bon, pour le gaming, ce sera du simple. Hein. Comme je vous ai dit, Boom Beach, tous les trucs un peu cool, sans 3D, gentil, quoi. Sinon, après, ça va complètement laguer, ça va être un peu la misère. Et heureusement, ce qu'il sauve, c'est qu'il lui embarque 3Go de RAM. Et c'est ce qui manque sur les téléphones qu'on nous propose. Parce qu'en Chine, on en a quand même énormément des 6739, 6737, donc des petits quad-core. Et à chaque fois, quand ils veulent vraiment faire quelque chose de bien, je repense à aller à Small Paper, celui que j'avais testé, avec un 6737, il était méconnaissable. Ce téléphone vraiment bien avec UnoS, bon d'accord, mais là on a du 3Go de RAM, une ROM propre, et le 6739 tourne très bien. Ça va pas être le meilleur processeur du monde, mais il t'offre la 4G, il t'offre plein de petites choses. J'ai rien à reprocher pour le prix, rien à dire. On verra ça, le prix après, vous verrez. Donc là, on a un stockage de 16Go de stockage. Ouais, bon, bah ça c'est plus ou moins gros, plus ou moins bien, mais tu peux quand même mettre une carte SD, donc bon, peu importe. Je pense que ça suffit amplement. Le tiroir SIM, alors le tiroir SIM, je vais quand même m'attarder un peu dessus. Le tiroir SIM, il embarque 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc ça, je voulais quand même vous le dire. Donc voilà, avec une petite carte mémoire extensible, oui, tu peux monter le truc. Va pas chercher loin, 128Go, le 6739, il va peiner. Mais une 32.
32 ou une 64 gigas, tu feras de la photo, de la vidéo, enfin si tu en as envie, parce qu'on va aborder la photo, et ouais, faut avoir envie, quoi, c'est, faut être motivé, un petit peu de motivation pour celui-là, parce que c'est très dur. J'en ai fait quelques-unes, j'en ai pas fait moult, hein, parce que c'est... Voilà, j'ai bien exprimé le pixel un peu. Ouais, je l'exprime bien, je sais, merci. Donc on va aborder la caméra frontale. Du coup, la caméra frontale, on est sur un petit capteur de 5 millions de pixels. Bon, ça marche bien, ça marche bien. Je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. Je trouve pour le prix, ça marche bien. On ne va pas se plaindre. Mais si tu as un petit réflexe à côté ou un truc pour faire de la vraie photo, ouais, embarque les deux, ce sera plus simple. Parce que là, tu ne vas pas te régaler du tout. Hein. Ce n'est pas un photophone. Donc, on peut faire du film. On peut filmer en HD, en VGA, CIF, QVGA et ça filme en MP4. On a un EIS sur la caméra avant. Donc, bon, voilà, c'est l'élastisation électronique. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, tu as quelque chose. Voilà, faut le dire hein, quand il y a quelque chose. On a un flash, alors ça c'est un truc que j'ai bien aimé, je fais une petite parenthèse, oui et non, parce que ça aborde le même truc. On a le flash avant, donc c'est tout l'écran qui s'allume en blanc, et ça fonctionne bien. Bon, après la caméra fait pas honneur au truc, mais j'ai trouvé l'idée bonne. D'ailleurs, j'ai trouvé tellement l'idée bonne qu'ils l'ont mise aussi sur le face unlock. Donc t'as un face unlock tout basique que tu débloques avec une photo, bon voilà, mais ça fait quand même un outil d'une main. Je trouve ça agréable, en plus du capteur d'empreinte, ce que n'a pas le Redmi Go, tu vois, c'est un détail, mais ça peut gonfler, et ça par contre, ça marche bien là-dessus. Donc, tu as l'écran qui s'allume pour pouvoir reconnaître ton visage. Et ça fonctionne. Donc, c'est cool. Ça reste OK du face unlock, mais tu as quand même le petit détail qui tue. Sur un mobile comme ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc ça, j'essaierai de vous le montrer dans un plan. Mais le face unlock fonctionne parfaitement. Là, il y a le soleil. Ouais, bah si, ça marche quand même. Face unlock, nickel. Bah, après, c'est un 6739, tu vois. Regarde. Déblocage. Voilà, débloqué. Le capteur d'empreinte, c'est exactement la même sauce. Hein. Tu appuies. Voilà, c'est 6739, mais il tourne à plein régime, donc c'est pas miraculeux, mais voilà. Oui, je sais, je me répète beaucoup. La photo arrière, on est sur un petit combo. C'est toujours pareil, avec les Chinois, le combo, tu me dis qu'il n'y en a qu'une, tu vois, ça me fait pareil. Donc on est sur 8 millions de pixels plus 5 millions de pixels. Bon, alors ça, tu verras, l'effet bokeh, bah, c'est comme d'habitude, c'est un effet burk, assez dégueulasse. Mais le capteur arrière s'en sort bien. Non, il s'en sort pas, il peine complètement. Il y a un mode professionnel, donc il y a un mode pro. J'ai trouvé ça vraiment fort, parce que sur le S70 à 329€, je le répète, parce que c'était déjà le truc qui passe pas, et en plus que le truc s'est noyé, mais ça, vous allez le voir après, ça passait encore moins. Mais là, il n'y avait pas de mode pro, tandis que là, tu as un petit téléphone qui n'est pas capable de gérer déjà en mode automatique. Il t'ouvre mis un mode pro, tu peux régler les ISO, l'exposition, la balance des blancs. Alors j'ai essayé hein, de tirer le truc un peu au maximum, vous allez voir les photos. Non, le truc il graine quand même à ISO 50, je crois en plus. Il graine, tu vois qu'il n'en peut plus. Quoi. Il prend la photo, saturation, il n'en peut plus. J'ai cru qu'elle allait me faire un arrêt cardiaque, mais il n'a pas de cœur. Enfin, il en a 4, mais quand même. Donc voilà, ça c'est quand même un petit détail qui me pose problème. La vidéo, on peut monter en Full HD. Avoir envie de le faire, c'est tout. Full HD, il y a un EIS, HD, VGA, et ce sera tout. Et c'est en format MP4. Donc il y a des petits, quand même, des petits arguments qui sont là. On sent qu'ils ont essayé de vous faire quelque chose de propre. Moi, je le trouve bien. Après, c'est vrai que même vous avez l'écran, vous allez voir, il y a écrit sur leur site qu'il est, c'est un écran HD, mais non, c'est pas un écran HD du tout. C'est un QHD, mais on va aborder ça. Donc sur l'écran, on retrouve un écran de 6 et quelques pouces, donc avec un petit format de goutte d'eau. Alors c'était marrant, parce qu'il ressemble tellement au Motorola G7 que je vais vous présenter ou que je vous ai présenté. Il lui ressemble tellement que des fois je me gourais. Bon, c'est vrai que dès que tu le prends en main, tu sens que quand même il y a un truc qui va pas. Parce que c'est pas le même poids, c'est pas la même finition. Mais j'avais la tendance à me gourer. C'est vrai qu'il est joli, il embarque un design quand même assez sympa. Mais l'écran, c'est du QHD. C'est-à-dire que sur... déjà, tu ne profiteras pas des belles images, hein, ça c'est clair. Sur YouTube, tu auras que des vidéos en maximum 480p. C'est un truc à prendre en compte parce que ça peut vite te gonfler. 720p, c'est la limite raisonnable pour moi maintenant. Mais 480 sur YouTube, si tu as un beau décor, un beau machin, bah tu verras que une flopée de pixels. En plus, le son en HP est pas terrible, donc c'est pas vraiment le téléphone multimédia. Ou alors, si tu as un gamin qui a mal travaillé à l'école, ouais, ça peut être très très bien pour lui. Tu claques pas une thune et en plus, tu le punis. Super la punition, merci papa, merci maman, vous êtes sympa. Oui, je sais, j'ai des bonnes idées. Vous pourrez me remercier plus tard, les enfants. Donc, la batterie, on est sur une batterie de 3400 mAh. Alors, c'est bien, 3400 mAh, c'est génial. Sauf que là, j'ai quand même un petit souci. À mon avis, c'est un peu vu en hausse, hein, ça doit être du 2600 ou quelque chose comme ça. Parce que je tiens sur PCMark 4 heures, si je me souviens bien, vous verrez ça à l'affichage, 4h03 sur PCMark. Donc avec l'écran full luminosité, etc., etc. En sachant que c'est un QHD et la luminosité, c'est pas non plus la joie. Là, je sais pas, vraiment en plein soleil, je le vois bien, c'est pas un souci, le contraste est très bon.
La colorimétrie est un peu fade, hein. Je sens que c'est un QHD, quoi. Donc là, je tiens 4h03, ça fait un peu l'edge, hein. Donc, j'ai envie de te dire que la batterie, c'est pas tout à fait 3400. Je vais pas y mettre mes doigts à couper, mais à mon avis, c'est ça. Donc, à vous de voir. Dans les petits plus, j'ai marqué quoi? La prise de jack 3.5. Ouais, je l'ai mis dans les petits plus, oui, je sais. Elle est dans les petits plus. Tu peux mettre un kit main libre. Si t'as envie de parler comme ça avec un kit main libre, c'est cool. Mais alors pour écouter ta musique, oublie complètement du FLAC, du MP3, du machin. Tout est pareil, tout est pareil. C'est la même qualité au final. C'est... T'entends des trucs, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'écouter du Britney Spears à longueur de journée en écoutant du Led Zeppelin, pour te dire. Donc ça, c'est un peu dramatique. On a du GPS, le fixe GPS, vu que la ROM est propre. Je trouve que ça fonctionne bien. Alors c'est toujours sans data. Ça fonctionne bien, c'est pas le Pérou, mais ça fonctionne bien. Pas de souci à noter là-dessus. Vraiment, même surprenant. Donc la 4G, on est sur la fréquence, on est sur la B1, B3, B7, B8, B20. Et voilà, mais moi ça me suffit. Ici en Auvergne, ça me suffit. Il me faut la 2100, la 800, je l'ai, et puis voilà, quoi, je suis bien. Donc ce sera à vous de voir ce que vous décidez. De toute façon, moi je voulais vous le présenter, je voulais voir si Doogee avait compris un peu comment faire du entrée de gamme, j'allais dire du bas de gamme, et oui, c'est du bas de gamme. Oui, ils ont compris, la ROM est propre, justement, et moi c'est ça qui me fait plaisir. Après, c'est pas un téléphone super performant comparé au Redmi Go, qui est un peu moins cher. Mais il y a le capteur d'empreinte, il y a le Face Unlock, c'est ce qui manque sur le Redmi Go. Niveau photo, on est en dessous, ça c'est clair. Mais est-ce que ça vaudrait le coup pour faire un battle? Je ne sais pas. Je vais essayer de commencer à en faire. Là, j'ai bossé sur une trame pour faire un truc un peu plus court. Donc, j'ai beaucoup de battles à faire, du coup. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir des battles entre des modèles ou tel modèle. Il n'y a pas de souci, je peux toujours éventuellement le faire. Donc, battle photo, hein, ce sera parce que battle puissance entre un 6739 et un Snapdragon 425. Je suis vraiment obligé de vous dire qui l'emporte. Non, bon, ça me paraît logique. Ce sera le Mediatek. Non, c'est pas le Mediatek. Donc là, la session musique, et on va se retrouver après pour les plus, les moins. La session musique, elle va être courte, parce que je vais vous perdre. Sinon, c'est sûr, là, le son est quand même assez dégueulasse. Session musique, profitez bien des... Allez, à toutes. Alors, le son, c'était bien? Ouais, bon, c'était pas mal quand même, non, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas, j'écoute pas de musique. Même quand je mets un appel dans la bagnole, je l'entends pas. Tu vois, quand tu roules un petit peu vite dans la campagne, là, comme ça, non, ça marche pas. Et j'étais avec ma femme au téléphone, j'ai dit, quoi, rien, laisse tomber, je te rappelle. Et non, c'est usant, voilà. Bon, après, ça va avec le prix, comme je vous dis. Et encore, le prix, faites gaffe, hein, parce que je l'ai vu, il a plusieurs prix, il a augmenté, et il vaut pas forcément le coup. Mais c'est entre nous, d'accord? Bon, alors les petits plus, enfin les plus. Donc là, dans les plus, j'ai marqué quoi? Bon petit mobile. Alors ça, j'ai rien à dire. Bon petit mobile, ça marche, la ROM est propre, tout est propre. J'ai suffisamment dit, je pense. Mais ouais, il faut bien que je trouve des petits plus quand même. Donc pour les gens, ouais, petit mobile. Bon, pour les gens qui ne veulent pas dépenser. Donc si t'es un peu grippe sous, t'es un peu... C'est ça que t'en prends en fait, hein, tout simplement. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Si tu t'en fous, que tu cherches un téléphone juste pour téléphoner... suffisant, largement suffisant. Que YouTube, tu t'en fous, suffisant. Que la photo, vidéo, tu t'en fous, mais si un jour t'as un connard qui t'a grillé la priorité, que tu veux faire une photo ou une vidéo, suffisant. T'auras la plaque d'immatriculation, t'auras le mec en train de gueuler, bien. La capture son, vous verrez ça aussi pendant le sample. C'est pas magique, hein. C'est pas magique, mais ça fonctionne. Voilà, c'est ça en fait. Pas magique, mais ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler, au lieu de dire Y8. À part si Y8, ça veut dire ça. En chinois, je sais pas, là, par contre. Alors, j'ai marqué ROM propre. Oui, je le répète, je sais. Mais je voulais marquer aussi que Android 9 est dessus. Donc ça, c'est pas le cas de tous les mobiles encore chinois underground. On a beaucoup d'Android 8, même le Redmi Go est sous Android 8. Là, je me fais pas de soucis, il passera sous Android 9 quand ce sera prêt, donc il n'y a pas un souci, je m'inquiète pas de ça. Mais bon, quand même, Android 9, propre, bien, nickel. Donc ça, c'est cool. Le Face Unlock fonctionne la nuit, ça, j'ai marqué, ouais, parfait. Et enfin, le Mediatek 6739 à plein régime. Et ça, oh, wow, ça fait du bien de le retrouver à plein régime. Alors, moi, c'est des processeurs que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que pour pas cher, ils t'offrent tout. Il peut t'offrir mieux quand la boutique veut, enfin quand l'entreprise veut faire mieux, style les small paper et tout ça. On a quand même des caméras qui sont un peu performantes, on a des trucs un peu plus performants. Bon, là, ils ont opté pour un truc entrée de gamme. Bon, ok,
D'accord, le prix va avec. Même si on va aborder ça, je trouve que là, l'augmentation chez Banggood et Amazon, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. Un petit peu. Tu peux trouver mieux pour moins cher. Ouais, tu peux trouver mieux pour moins cher. Voilà. Bon, ça, on le verra. Moi, j'ai marqué quoi? Dans les mois, j'ai marqué l'arrière marque trop facilement. Vraiment, bon, déjà avec les traces de doigts, comme tu peux le constater, bon, ça c'est bien, ça cache les rayures, mais des rayures, vous verrez ça sur les plans, il y en a une multitude. Ah, il y en a plein, il y en a plein, c'est une rayure le truc. C'est un truc de dingue. Alors j'ai marqué dans les mois le mode photo. Le mode photo, bon, déjà l'effet blur, j'en parle plus trop, je vous dis que c'est de la merde parce que c'est de la merde. Ne fais pas d'effet blur avec ça, le deuxième capteur ça sert à rien, c'est juste pour dire que ça ressemble un peu aux autres, mais c'est pourri. Mais l'application photo, elle aurait peut-être mérité un capteur photo un peu plus sympa parce que là vous avez pensé au mode pro qui est vachement bien, hein, c'est le mode pro Android, donc balance des blancs, temps de pause. Temps de pause avec ça, mon pote. J'ai même pas eu envie d'essayer. Mais vous pouvez le faire si tu as envie de faire de la belle photo argentique avec un numérique. Bah là, tu peux. C'est pas un souci. Ah, il est salaud. Argentique moche. Allez, argentique moche, parce qu'il y a des belles photos argentiques quand même. Voilà. Je me rattrape un peu avec les photographes. Pas de lettre de notification, ça aussi c'est un petit truc que je regrette. Donc on a bien le capteur de proximité, de proximité, de luminosité qui fonctionne, c'est pas un souci. Mais petite lettre, tu vois, même à ce prix-là, quoi, une petite lettre de notification, ça coûte que dalle. T'en aurais mis une sous la goutte d'eau, ça aurait été vraiment un petit argument en plus pour moi. C'est dommage, elle n'y est pas. Bon, ok. Et puis voilà, bon, alors là on va aborder les prix. Alors les prix, je vais vous mettre quand même le lien de la boutique Deal Extrême parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, hein, donc on verra ce que ça donne. Donc Deal Extrême, il était à 70,49 € ouais, au lieu de 50. Et oui, à 50, c'était bien, si tu veux, ça passait. Tu te dis, bon, ça fait un petit cadeau pour un jeune, on verra comment il se comporte. S'il ne le ruine pas au bout de 2 mois, je lui prendrai un Xiaomi, tu vois, c'est comme ça que je vois. Mais là, 70 balles, ça pique. Je pense que tu peux trouver mieux pour moins cher. Hein. Il me semble même le Pro Trulli, la première version, est moins chère sur Banggood. Donc si vous voulez aller fouiller un peu, caméra 360, tout, un bon processeur. Enfin bref, il est pratiquement donné le truc. Donc voilà, sur Banggood, il est à 70,77 € au moins ce jour-là quand j'en parle. Et sur Amazon, il est livré de France directement, ok, mais à 89,99 €. 90 boules quand même. Là, tout de suite, là, je sais pas trop, je suis pas chaud, tu vois. Non, pas envie, pas envie. Mais je vous mettrai quand même les liens dans la description. Si ça vous intéresse, checkez. Il n'y a pas de souci, vous verrez les photos aussi en non compressé. Rien que de dire ça, tu vois, ça me fait mal aux cheveux. J'ai mal aux cheveux. Non compressé, donc si vous voulez profiter un peu de la qualité et de cet aspect graineux de la photo, eh ben tu peux le faire, il n'y a pas de problème, tu comprends? C'est pas un souci. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. On va essayer de se retrouver là pour de là-bas parce qu'il faut que j'avance, Il y a une journée de soleil, demain il paraît qu'il pleut. Enfin, c'est Alexa qui me l'a dit. Alors. Tu vois, Alexa, c'est un peu comme Macron. Hein. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera tout de suite. Allez, ciao tout le monde. Wouh ! Allez, on est sur la caméra frontale du Doogee Y8. Donc là, évidemment, vous dites, oh, putain, c'est super bien stabilisé pour un téléphone à 50 balles. Oui, mais je suis sur le Feiyutech. Je suis sur le SPG2. Donc, ouais, le SPG2 va arriver, vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'il y a tellement de trucs à dire et qu'il est tellement exceptionnel que j'ai pas envie de passer à côté de certaines choses. Donc ça va être un test assez complet et sur une durée assez sympa. Bon, enfin bref, donc là on parle de la caméra avant du Doogee Y8. On est sur du 720p, ça filme en MP4. Là j'ai une petite mise à jour qui a arrangé un petit peu des trucs. Plus ou moins. En fait, on a le timer qui est un peu plus gros sur le côté gauche, là, juste sous la goutte d'eau. Très sympa. On a toutes les options effet bokeh. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien, mais bon, voilà. Tu les as toutes étalées maintenant et tu n'es pas obligé de les cliquer à droite à gauche. C'est génial. Donc, bon, faudra voir. De toute façon, je tournerai un mois avec, hein, comme d'habitude, comme avec tous les téléphones, peu importe le prix. S'ils arrivent déjà à tenir une semaine, après, je tourne un mois avec. Ouais. Je pense surtout notamment au Ligou que je vous ai présenté, où lui, je tournerai pas un mois avec, tu vois. J'ai même pas envie de le réparer. Bon, on va se mettre un peu au soleil. C'est pour ça aussi que j'ai attendu, pour voir ce que ça donne avec du soleil. Bon, ouais, non, ça le fait. On va passer en caméra dorsale et vous allez voir que c'est bien. Après, niveau capture du son, ça tient la route. C'est pas magique. Vous verrez le Redmi Go, là. Putain, oh, capture du son, c'est exceptionnel. J'ai l'impression d'être sur le Note 5 et le S2, enfin bref, toute la série. 50 balles, le truc, il te fait une... C'est parfait, quoi. T'as rien à dire. Tandis que là, bon, voilà. Allez, on passe aux caméras dorsales. Doom, allez, caméra dorsale, donc là toujours avec le stabilisateur, après on va essayer avec le IS. Alors peut-être pas en... Oh si, je le ferai quand même en frontal, on verra ce que ça donne. Donc ça, le IS, c'est la stabilisation électronique, ça va gropper un peu dans l'image pour essayer de refaire quelque chose, mais bon là, c'est quand même pas magique. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, vu qu'il y a eu cette petite mise à jour ce matin,
Alors, c'est pas une grosse mise à jour, on devait faire 35 MO. Je voulais voir s'il y avait l'autofocus, parce que de base, l'autofocus ne s'affiche pas. Donc, ce qui permet en vidéo, comme là vous pouvez le constater, d'avoir quelque chose qui est assez propre, entre guillemets, propre. Pour 50 balles, bon, c'est propre, j'ai vraiment rien à dire. Faut pas, voilà, hein, on va pas essayer de démonter le téléphone. Et l'autofocus. Et donc, ça fait comme le Humidigi en fait, il est viré. Voilà, par contre, si je clique avec le doigt, boum, il revient. Ça, c'est pas un souci, tu peux régler un peu tout. Oula, ça fait un petit lag. Hop, je refais la mise au point sur la cabane. Bon, bah voilà, après, ça fonctionne bien. Niveau expo, il s'en sort. Bon, bah, c'est un petit capteur, quoi. On va faire 36 heures là-dessus. C'est un petit capteur avec un stabilisateur et avec la prise de jack qui est sur le côté gauche. Tu peux mettre une capture son et faire quelque chose. Ouais, effectivement. Par contre, tiens, pendant que je vous tiens, là, ça fait donc, ça va faire bientôt un mois que je l'utilise déjà. Il y a quand même beaucoup de griffes aussi au niveau du capteur. Hein, donc, on verra ce que ça donne. Il y a beaucoup, beaucoup de griffes. Donc là, je vais le remettre un mois avec ma carte aussi, mais je vais tourner vraiment avec. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires, vous pouvez, ça ne me gêne pas. Et là, on va voir ce que ça donne maintenant au niveau EIS. Bon, on va voir. Je pourrais être surpris, moi j'ai déjà testé, c'est pas magique, comme je vous ai mis le sample dans la vidéo là, mais on va voir ce que ça donne, c'est peut-être mieux maintenant. Voilà, allez à nouveau sur la caméra frontale avec l'EIS, donc là je marche, on regarde ce que ça donne un petit peu. C'est comme ça, et voilà, tu vois, oh là, il y a quelques petits frises, on sent qu'il en a un petit peu marre. Attention, petit jump, touc. Bon voilà, ça fera une petite vidéo comme je vous ai dit pour filmer la plaque d'immatriculation du mec qui vient de te rentrer dedans, ça le fait. Pour filmer ta tête du mec qui t'a rentré dedans, tu vois, comme ça blasé, ça le fait aussi. Bon, on va passer en caméra dorsale, on va pas rester trois plombes, et on va voir ce que ça donne avec le IS. Ah, on peut être surpris, hein, on peut être surpris, mais oui. Caméra dorsale avec le IS. Bon, voilà, c'est vraiment un bout de bras. Donc normalement vous devriez bien m'entendre parce que la main elle est complètement en train d'être en raccord avec le micro, du moins droit. Micro gauche, il n'y en a pas, alors comme ça t'es pas emmerdé, il n'y a pas d'entrée son secondaire. Mais bon, ça le fait, hein. Ouf, ça le fait, bon, pour 50 balles. Donc l'achetez pas plus cher hein, le téléphone, ça vaut pas le coup. 50 balles, vous faites une bonne affaire pour. Après il faut en avoir l'utilisation. Mais ouais, l'autofocus, non. L'autofocus, non. Là, je suis à la mise au point au doigt. Douf, ça le fait, mais alors voilà. Ils l'ont enlevé. Bon, des fois, je me dis que c'est pas plus mal de l'enlever. Comme ça, t'es pas emmerdé. T'as une image au moins exceptionnelle. Non, exploitable. Exploitable. Exceptionnel, ce sera pour l'autre. Alors, non, faut peut-être pas déconner. Bon, allez, je vais couper là. Et puis, je vous laisse là. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Et on va se retrouver après pour de la vape. J'ai le Motorola et je fais des petites listes. Hein. J'arrive à me concentrer. Motorola et ensuite Redmi Go. Allez, ciao tout le monde. Bye. We'll be right back.